es prête pour l'examen? J'ai révisé toute la semaine, mais je commence à être nerveuse. J'ai un mauvais pressentiment. Allez, quand faut y aller? Waouh, j'adore ce genre d'examen. Je vais commencer par mettre du scotch autour des crayons. Ensuite, je place un pochoir sur ma feuille. Maintenant, place au plus sympa. Le pochoir va me permettre de ne pas dépasser. Ça évitera que je gâche mon dessin. Ouf, c'est fatigant. Mais mon chef-d'œuvre est terminé. J'y arrive pas. Oh, et si je me servais de ça? J'ai trouvé! Je scotche les crayons au talon de ma chaussure. Puis je vais dessiner avec mon pied. Après tout, l'art, c'est subjectif. On a fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellent travail, les filles. Je suis impressionnée. Vous avez toutes les deux réussi. Bien joué. Ouais, je le savais. Il lance le défi ou quoi? Oh, un gadget. C'est bon? Hein? Un gadget? Oh, n'en dis pas plus. Je sais ce qu'il me faut. Ah, voilà! Il est trop mignon, non? Mais je peux encore l'améliorer un petit peu. Pas mal! Et maintenant, au travail. Et partez! Oui, d'accord. Tu vois ce que je vois? Oui, je sais, il est génial. Allez, dessine mon petit bonhomme. Mais vu que chaque artiste a besoin d'une inspiration, je te donne la tienne. Tu penses que ce petit chat est dans tes cordes? Aucun problème. Tu peux toujours te servir de ça pour faire un cercle parfait. C'est bon, tu vois un chat? Attends un peu, tu le verras bientôt. Regarde-moi ces beaux traits. Non mais, je ne suis pas d'accord. Est-ce que les robots peuvent vraiment faire de l'art? On dirait bien. Ah, voilà. Ça a l'air fini. Eh bien, évidemment, c'est parfait, tu vois? Ouais, bah moi aussi je peux jouer à ça. Il me faut juste les bonnes formes. Voyons voir. Je les assemble entre elles. Et voilà. Un bout de plastique et une image sur mon portable. Et hop, je peux dessiner sur les traits. Jolie invention, non? Je suis pleine de ressources, c'est ça mon point. Presque fini. Le rendu est vraiment pas mal, je trouve. Nul! Alors, qui gagne? De manière évidente, Naomi! C'est pas vrai! Visiblement, la créativité, ça paye! Satané robot! Tu vas aller droit dans la poubelle, tu entends? Non, c'est toi, la poubelle! Quoi? Tu as dessiné quelque chose pour moi? C'est censé être drôle! Je ne peux plus faire confiance à la technologie! Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire! Vous êtes sûr? Les arbres, la nature, tout ça! On va voir qui est le meilleur! Je le sais déjà! Voyons! Hein? Hé, arrête de copier! Oh là là, ça va? Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé! Comme il est beau! J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Presque fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'œuvre. Une véritable œuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, ça et quelques petits points et deux ou trois traits bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ses branches vont faire super jolies au-dessus. Et maintenant, de belles petites pattes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Oh! Ils sont tous les deux bien. On demande au prof. Ça alors? J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé! Ah! Vous avez fini? Ah, très bon travail. Ah, très bon travail. J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah d'accord. C'est rigolo de lire. Ah! J'ai sommeil. 1, 2, 3. J'ai une idée. Dessinons quelque chose. Commençons par prendre une pochette plastique. On va dessiner quelques animaux dessus. Commençons par un mouton. Oh, qu'il est mignon! Ajoutons un poussin. Je vais le colorier en jaune. C'est pas mal. Maintenant le ciel. Et faisons une belle pelouse verte. C'est une superbe ferme. Prends une feuille noire et glisse-la dans la pochette. Ensuite, dessine une lampe torche et un faisceau lumineux. Tu n'as plus qu'à faire glisser la lampe par-dessus la feuille noire. Et la ferme s'illumine. C'est une super idée. Waouh, maman! Oh! Quel rêve génial! Mon ruban adhésif est prêt à être utilisé. Je vais en mettre ici. Je vais continuer mon dessin. Waouh, c'est pas si facile. Je vais prendre cette couleur. Attention, je ne dois pas rater ma ligne. Mais ce que je fais est horrible. Hé, le ruban adhésif de papy me donne une idée. Je t'emprunte ça une seconde, papy. Allez, je prends un morceau de ruban, je place mes feutres dessus. Et maintenant, je replie le ruban par-dessus. Yeah! Le résultat va être génial! Je vais faire un bel arc-en-ciel. Ça a marché! Je suis un génie! Waouh! Bon travail! Et si on essayait avec encore plus de feutres? Ah ah! Il y en a plein! On va faire un arc-en-ciel géant! Tu es bien sûr de toi? Il n'y a rien de moins sûr que là, fiston. C'est parti, voyons ce que ça donne. Qui a dit qu'un arc-en-ciel devait forcément être en forme d'arc? Je vais passer par ici et repasser par là. Puis je remonte de ce pied. Et je finis au point de départ. Waouh! Et voilà! Regarde ce que ça donne! On dirait un oiseau! Waouh! Je me sens amoureuse et inspirée. J'espère que ça va lui plaire. On va bien voir. Salut, David! Tiens, qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Il faut que je lui fasse une belle réponse. Mon cœur bat si fort. Voyons. Oh! Mes livres! Je suis désolée, je vais t'aider à les ramasser. Oh! Si douce! Oh! Waouh! Mes livres? Ah, bien sûr! Bon, bah... Ouais! Merci! Je crois que je suis amoureux. Un dernier petit regard. Ouais, ce garçon est vraiment spécial. Ah!
pas ce que je vais lui dire. Je vais lui rappeler la première fois où j'ai posé les yeux sur elle. Le plus difficile est fait. Jolie. Waouh! Je me souviens. Il est tellement chou. Je t'aime, chérie. J'ai hâte d'aller en cours d'art plastique. Allez, tout le monde, aujourd'hui, vous allez me dessiner un chat. Regardez-moi sa petite tête trop mignonne. C'est parti. Oh, ce n'est pas facile. Là, c'est sa queue. Oula, c'est moche. J'ai fini. Je me suis un peu précipitée. Ce n'est pas le plus beau de mes dessins. Hein? C'est pas croyable. Mouah, mouah. Rien ne va aujourd'hui. Donne-moi ça. Oh, mais si c'est pour toi, ça en vaut la peine. J'ai une idée. Ça pourrait marcher. Si j'enroule l'élastique autour de mes feutres et que je fais pareil sur l'autre bout, je peux recopier le chat de mon cahier. Ça fonctionne! Il suffit de bien suivre les lignes et j'obtiens une copie parfaite. Dis donc, ça rend vraiment bien! C'est parfait! Je suis impressionnée, Cheryl! Merci, j'ai un don! Un B? Merveilleux, comme toujours, Luna! A plus! Continue comme ça! Merci! Oh non! Ça continue d'imprimer! Chut! Arrête! Quoi? Rien à voir par ici! Oh, je déteste l'art plastique! Ah! J'attendais ça depuis longtemps! Un peu de temps pour être tranquille! Haha! J'adore ces vidéos! Waouh! Regardez ces mouvements! J'ai toujours voulu me mettre au karaté! Mes mains sont des armes mortelles! Ya! Ya! Ouah! Aïe! Ça fait mal! Je crois que ma carrière de ninja est terminée! J'arrive pas à croire que j'ai pu être aussi stupide! Salut papa! Quoi de neuf? Attrape! Désolée, je ne peux plus faire de sport! Oh, ça craint! Attends, j'ai une idée! Tu veux faire un dessin sur mon plâtre? Ça m'aidera à guérir! Bien sûr, je sais ce que je vais faire! Je commence par faire un cercle. Ensuite, je fais des sourcils et des yeux. Tu vas adorer, papa! Il ne faut pas oublier la langue. Et maintenant, on met de la couleur. Un peu de bleu pour les yeux. J'y suis presque! Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal! Beau travail! Je sais, je suis talentueuse! Ça n'en fait pas l'ombre d'un doute! Oh, ça fait super mal! Voilà une peinture vraiment joyeuse! Je vais pouvoir l'encadrer! Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration! Oui, et qu'est-ce que tu as répondu? Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots? J'ai pas d'idée. Qu'est-ce que tu fais? Ma feuille! Ah, désolée! Oups! Regarde ce que tu as fait! Elle est fichue! Hé! Laisse-moi te montrer quelque chose! Le hasard fait parfois bien les choses! Tiens, par exemple! Wow! À mon tour! Oui, tu peux en faire de différentes tailles! Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi, tant que c'est circulaire, bien sûr! Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top là! Mon petit artiste! Luna! Ne fais pas ça! Salut! Ok, viens par ici. J'ai des devoirs à faire, ok? Ok! Je vais dessiner. C'est bien! Waouh, quel joli dessin!
C'est une maison? J'ai presque fini. Moi aussi. Regarde, Luna. Qu'est-ce que tu fais? Oh oh! Ce n'est pas moi! C'est partout dans mes livres! Désolée, mais c'est joli! C'est fichu! Regarde! Qu'est-ce que je vais faire? Attends, cette encre pourrait nous servir! On dirait qu'il est temps de les couvrir avec des œuvres d'art créatives. Mets d'abord le papier sur un cahier, utilise ensuite des marqueurs pour créer des motifs sur le papier. Utilise des couleurs différentes pour obtenir un effet plus intense. Ça a l'air bien, mais on n'a pas fini. Ensuite, prends un sac en plastique et verse de l'encre. Fais attention à ne pas en renverser. Une fois que c'est fait, ferme le sac et mets-le sur le cahier. Puis étale l'encre. Prends de la feutrine et découpe une bordure pour le cahier. Colle-le sur le cahier et amuse-toi. C'est un bon moyen de passer le temps quand on s'ennuie. Quelle bonne idée! Je ne fais rien, promis! Hé, c'est bon, regarde! C'est pour moi? Oui, bien sûr! Oh, c'est amusant! Ouf! Regarde ça! J'ai fait de jolies formes! Merci, Luna! J'ai presque fini! Hé, hey, attends que ce soit terminé, ok? Ne bouge pas! Tes yeux ne sont pas symétriques! Non, absolument pas! Voilà à quoi tu ressembles, frérot! Ça ne me ressemble pas du tout! Tu fais ça exprès pour m'énerver! Donne-moi ça! Très bien! Qu'est-ce que tu vas faire? On va jouer selon tes règles! Ne bouge pas! Tu as une grosse tête! Des yeux globuleux, des dents de travers. Oh oui! Tada! Tu te moques de moi? Je ne suis pas si moche! Donne-moi ça! Ah! Oh oh! Oh, tu aimais tellement ces jouets! Il est temps que quelqu'un d'autre en profite. Un peu trop entêtante à mon goût. Oh! Mon crayon! Qu'est-ce que je peux faire? Je vais le tailler. Regarde ce que j'ai fait! On dirait une chenille! Maman, regarde ça! C'est trop rigolo! Hé! J'ai plein d'autres crayons! Ça va être trop cool! Regardez ça! Les couleurs sont là! Je vais continuer! Oh! Maman? Tu n'as plus de crayon, mon amour? Attends une seconde! J'ai la solution! Je vais mettre cette guirlande dans cette boîte. Je vais recouvrir le dessus de plastique. Je recouvre bien les bords. Et maintenant, place à la vraie magie! Je saupoudre du sucre sur la surface. Voici ce que ça doit donner. Il n'y a plus qu'à éteindre la lumière. Utilise tes doigts pour dessiner. Chérie, viens voir! Hein? Waouh, trop cool! Tu peux dessiner ce que tu veux. Je vais faire mon animal préféré. Je savais que ça te plairait. Et... ouvre! Ha! Non, on doit faire de l'art, pas des maths! Tu sais ce que ça veut dire? Ce sont des maths! Je sais! Ouvre le tien! Quoi? Moi aussi! Je crois qu'on doit mettre ça ensemble! Attends une seconde! C'est toi? Accessoire! Je t'écoute! Ce truc est allumé? Ouah! C'est obligé d'être si fort! Ok, ça va!
T'es prêt? On va voir ça. Faisons un peu de magie artistique. Je transforme le 1 en girafe. Trop mignon. Et le 2 en cygne, bien sûr. Et le 3 va se transformer en magnifique papillon. Et le 4, c'est un petit poisson. Plutôt créatif, n'est-ce pas? Ça, c'est le genre de maths que j'aime. Tu es vraiment doué, Kevin. Je crois que j'ai fini mon travail. Tu ne veux pas faire le mien? Le travail d'un artiste n'est jamais terminé. Regarde et apprends. Hé, un petit hippocampe! Tu veux devenir ami avec ce bébé écureuil? Vous êtes voisins maintenant. Et pour le 7, on retourne sous l'océan. Et pour finir en beauté, un adorable ours en peluche. Et voilà le travail! Je suis vraiment bon! Tu ne trouves pas que je suis... Il y en a un qui s'est endormi! Debout! Hein? T'as fini? Et comment? Beau travail! T'es un vrai champion! Un Picasso des temps modernes! Souris! Ok, je crois que mon œuvre est terminée! Je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'elle pourrait valoir des millions un jour. Je vais la mettre sur ce chevalet. Oh, je l'adore. Tiens, des bulles, je crois que j'ai mérité d'en faire quelques-unes. Ouais, regardez ça. Coucou, c'est moi. Oups. Pardon. C'était mon chef-d'œuvre, ma plus belle toile. Attends voir, des bulles, ça me donne une idée. Je prends une bouteille en plastique et je coupe le fond. Maintenant, je tends un filet de maille par-dessus l'ouverture. Ensuite, je mets de l'eau savonneuse dans ce récipient. Il en faut pas mal. Je trempe le filet dans l'eau savonneuse. Il y a plein de savon entre les tons de la peinture. Je vais mettre du bleu. Et un peu de rouge. Et du jaune. Les couleurs primaires, quoi. Et maintenant, je souffle pour faire des bulles. Je dois juste le faire assez près de la toile. Et pour finir, j'éclate les plus grosses bulles. Et voilà, je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Waouh! Comment as-tu fait ça? Tes bulles m'ont donné de l'inspiration. Je l'ai fait pour toi. Merci, papy. J'adore! Ces bulles sont vraiment magiques! Je peux? Vas-y! Des feutres? Waouh! Vas-y, ouvre le tien! Waouh! Elle est super lourde! Donne, j'ai une meilleure idée! Hé, hey, regarde! Qui a laissé entrer un lapin ici? Oh, comment tu fais ça? Fais attention au loup, petit bonhomme. Hein? Et maintenant, place au spectacle. C'est super! Tu es vraiment doué. Youhou! Hé, attends! Je ne parle qu'avec mes mains. Mais attends! Je viens d'avoir une autre idée. Maintenant que mes yeux sont habitués, je peux reproduire une ombre chinoise sur papier. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplir les blancs. T'as reconnu ce que c'est? C'est le meilleur ami de l'homme, bien sûr! Maintenant, tout ce qui manque à ce toutou, c'est un peu de couleur. Oh, c'est ma plus belle création jusqu'à présent! Tu ne vas jamais t'arrêter, c'est ça? Il n'y a plus de piles? Regarde, ça m'a été inspiré des ombres chinoises! Génial! Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Tu vas adorer celui-là! Joli, hein? C'est le lapin! Ok! J'ai aussi fait celui-là! Avec deux doigts de plus! Tu veux prendre celui-là? Merci! Non, pas encore! Au moins, j'ai de quoi grignoter!
Joli! Alors, prête à dessiner? On démarre avec un arc-en-ciel. Ah, un arc-en-ciel? Super pour commencer. Je sais! J'ai un sac rempli de trucs qui vont enfin pouvoir me servir. Voyons voir! Oh! Oh, salut toi! Ah! Non! C'est bien! Voilà ce que je cherchais. Prêt à un peu de magie? Regarde comme ces couleurs vont se transformer en arc-en-ciel. Faisons quelques traces. Et voilà. Fini! Enfin, presque. Pas mal. Et maintenant, c'est ce peigne qui va me servir. C'est trop agréable à regarder, non? C'est ça d'utiliser ce qu'on a. Et voilà! Oh, ça a un peu débordé. Maintenant, j'enlève tout le scotch. Et voilà, une belle ligne bien droite. Ou plutôt, trois belles lignes bien droites. Ah, fini! Merci pour ton aide. Assez impressionnant, non? Ouais, pas mal. À mon tour. Je dois tout faire toute seule ou quoi? Magnifique! Partez! J'ai besoin de place pour laisser libre cours à mon imagination. Intéressant! Évidemment, prenez-en tous de la graine. C'est joli avec toutes ces couleurs, non? Et tu n'as encore rien vu. Prête? Moi aussi, je sais me débrouiller toute seule parfois. Et quand tout est écrasé, on se retrouve avec une magnifique poudre couleur arc-en-ciel. Regarde-moi ces belles teintes. Tada! C'est vrai que c'était incroyable. Oh, et je suis loin d'avoir fini. C'est un bonhomme arc-en-ciel qui danse. Ça lui donne plus de caractère comme ça. Alors? Ils sont tous les deux originaux. Et je vous déclare donc toutes les deux gagnantes. Super! Tiens, ma chérie, voici de la peinture et des pinceaux. Amuse-toi bien! Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? Je suis une grande artiste, papa! Regarde! Ta mère va devenir folle! À moins que… Prends une feuille blanche et mets de la peinture dessus. Ajoute du rouge, dépose la peinture en petits ronds. Ensuite, mets la feuille dans un sachet hermétique. Ma chérie, regarde ce que j'ai! Waouh, papa, j'adore! Oui! Regarde la peinture! Elle va partout! Et pas de dégâts! Il y a tellement d'arbres dans cette forêt! Oh, il est quelle heure? Oh là là! Voyons voir, tout le monde est prêt? On peut commencer le cours? Oh, je n'en ai pas l'impression! Bon, c'est parti! Vous allez pouvoir utiliser ces compas! Vous allez devoir dessiner un cercle de la même taille que ceux du tableau. Allez, venez en prendre un et au travail! Oh non! Comment ça? On doit travailler pendant les cours maintenant? Allez, tout le monde prend un compas et fait ce que j'ai demandé. Et attends, il en reste plus pour moi! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est rendormie? Qu'est-ce que je dois faire, moi? C'est horrible! Il n'y a aucune solution aussi? Comment je suis censée dessiner un cercle, moi? Tout ce que j'ai, c'est cette règle. Je ne comprends pas comment ça marche. Ce truc ne marche pas du tout. N'arrive pas à dessiner de cercle avec. J'hallucine ou quoi? Jake a eu un compas et il n'arrive même pas à s'en servir. Qu'est-ce que c'est frustrant? Ce truc est horrible. Pfiou, je déteste ça. Dis donc, elle aussi, elle a du mal. Et je sais quoi faire. Je vais l'ouvrir et voilà. Trop fastoche. Bon, je peux peut-être essayer de faire quelque chose avec ma règle. Si je garde mon crayon dessus... Oh non, ça n'a pas du tout marché. Ou alors je peux faire un cercle à main levée. Ça ne marche pas. Allez, ma règle, j'ai besoin de toi. Hé, je crois savoir quoi faire. Je vais faire un point tous les 2 cm jusqu'au bout. Super, maintenant je vais faire des trous partout où il y a un point. Génial, voyons voir ce que ça donne. Je vais poser ma règle sur la feuille et mettre un crayon dans le trou du milieu et je tourne. Je dois juste passer au-dessus de mon bras et je peux finir le cercle. Voilà, comme sur des roulettes.
Oh là là, tu as vraiment dessiné le cerf parfait. Attendez, vous m'apportiez vraiment un vrai compas? Super.